Bonjour à tous. Alors, je vous reprends pour un vlog DP cette fois. Donc, je vous avais parlé qu'on ferait un autre DP, enfin, que j'ouvrirais un autre DP avec vous. Juste pour le faire avec vous, en fait. Parce que vu que je suis sur des DP perso et que c'est des photos de ma famille, je ne veux pas les montrer sur Internet. Donc, du coup, j'ai décidé d'ouvrir un DP spécialement pour les vidéos. Donc, ça sera celui-là. Donc, c'est un tout petit que j'avais commandé il y a bien longtemps et que du coup, j'étais déçue parce que je me suis dit, mais pourquoi tu l'as commandé en 20 par 25? Ça va pas rendre bien. Donc, bon, ben, on va quand même le faire. Comme ça, on aura un aperçu de ce que ça peut donner en petite taille. Donc, il y a 25 couleurs. Alors, je vais les mettre dans les boîtes. Et puis, on se reprend un peu plus tard. Parce que là, il est 11h moins le quart. Donc, on se reprendra un peu plus tard pour le commencer ensemble. Donc, voilà. Je vous laisse et je vous dis à plus tard. Donc voilà, je vous reprends, il est midi moins tard. Donc j'ai rempli les boîtes avec les références. Alors je parle pas trop fort parce que j'ai la petite qui dort juste à côté, elle s'est endormie. Donc j'en profite pour commencer ce DP avec vous. Alors on va partir par le bas. Je vais juste décoller un petit peu parce que j'ai pas fait de carré. On va commencer par le A qui est le 3607. Là. Moi qui adore le rose. Et bien là, il y en a pas mal. Donc, j'espère que vous allez bien. Nous ici on a un gros soleil, donc ça va. Demain c'est férié. Donc pour moi ça change pas grand chose, mais étant donné que mon homme a repris le boulot et que demain c'est férié, du coup il bosse pas, donc il sera à la maison. Je pense que je ferai du coloriage. Ou j'irai sur mon DP perso. Parce que quand il est là, j'évite de filmer. Je vais pas lui dire fais pas de bruit, donc j'évite de filmer. De toute façon, je crois que j'ai jamais filmé quand il était là, ou peut-être dans les autres maisons, mais je me mettais dans des pièces assez éloignées. Là, on a quand même tout le haut qui est assez rapproché, donc même si je vais dans ma chambre, le salon on donne sur le mur de ma chambre, donc vous allez l'entendre. Donc du coup je ne filme pas. Après je pourrais aller en bas, mais en bas j'ai rien en fait. J'ai pas de DP, j'ai rien, tout est en haut vu que je fais en haut. Puis bon, quand il est à la maison, je ne vais pas m'amuser à filmer. Je préfère profiter de lui et de la petite. J'ai toute la semaine quand il est au boulot pour filmer. Donc, là, je reprendrai sûrement lundi si tout va bien. Mais bon, là vous allez avoir tout en décalé parce que j'ai vu qu'hier j'avais posté le vlog, celui-là que vous avez eu aujourd'hui. Je l'ai posté hier matin.
Il a mis toute la journée et toute la nuit pratiquement à charger sur YouTube pour 27 minutes. J'ai trouvé ça hallucinant. Alors que la dernière fois, il faisait 23, je crois, le vlog de reprise. Et il m'a pas mis toute la journée, quoi. Alors je sais pas, je dois avoir des pertes de connexion. Je comprends pas. Il y a des jours où ça peut aller plus vite que d'autres. Donc là j'ai regardé la vidéo de Sabrina, son tag, et elle m'a tagué donc pour que je le fasse. Alors je lui ai dit que j'allais essayer de le faire, mais faut que je trouve le moment où je peux le faire sans être dérangée. Donc je vais voir. Et puis en plus, si c'est pour qu'il soit mis en ligne au bout de d'une semaine, c'est pas la peine quoi. Faut que ça soit là. Donc je sais pas, peut-être la semaine prochaine, j'essayerai de trouver un petit moment pour le faire. Celui-là, c'est le seul qui glisse comme ça. Je suis obligée de le remonter à chaque fois. J'aime bien changer entre ce que Joël m'avait fait et celui qu'Angélique m'avait envoyé aussi. J'aime bien changer. Là, j'ai vu les stylets qu'Angélique a fait en pâte, enfin que son mari fait en pâte polymère. Il y en a, ils sont trop jolis. J'aimerais bien tester pour voir, mais il faudrait que je la contacte. Je sais pas comment. Parce que j'ai pas de PayPal. Comment elle voudrait que je la règle, faudrait que je voie avec elle. Parce que bon, je préfère lui acheter que les acheter à une personne que je connais pas particulièrement, quoi. Autant lui acheter à elle. Une petite qui commence à s'agiter, à les réveiller. On va attendre un peu. J'espère que cette partie vous plaira. Je me suis dit, bon, comme je vous avais dit dans le vlog coloriage, que j'allais ouvrir un DP spécial vidéo parce que sinon il va y avoir que du coloriage et c'est pas le but. Et puis au moins celui-là il sera fait. Faudrait aussi que je commence à faire le grand que j'avais commandé là qui fait. Il est en 5 parties je crois. C'est un gros Bouddha. Et à chaque fois je me dis je vais le commencer, je vais le commencer. Sauf que je rachète soit des persos ou d'autres qui me plaisent plus.
et qui sont moins longs à faire. Donc je me dis, bon, je fais celui-là et puis je verrai pour après. Donc là, on va faire. C'était le 7. On va faire la référence 3608 qui est le 9. Désolée, je remonte les élastiques assez souvent, mais j'ai pas trop le choix. Pour ça, j'aimerais bien tester ça en pâte polymère, vu que c'est assez dur. Et plus de problème de remonter les élastiques ou quoi. Bon, après, je les utiliserai quand même, hein. C'était les premiers qu'on m'avait offert. Je les garderai quand même, je les utiliserai, mais de temps en temps, quoi. Oups, si je me colle les doigts dessus. Commencer à râler. Parce qu'en plus elle m'entend parler, elle doit dire mais à qui elle parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire sur quel DP vous travaillez en ce moment. Partager un maximum, hein. On est là pour ça de toute façon. Là, du coup, je vous avais parlé. Des problèmes qu'elle avait la petite là avec les remontées acides. Et donc j'ai eu pas mal de messages de soutien, de courage. Enfin voilà quoi. Donc déjà je vous remercie. Et du coup je voulais vous donner des nouvelles. Ça va mieux. Je lui donne plus le Gaviscon pour le moment. Parce que c'était une cure d'un mois en fait. Enfin une cure. C'était un traitement d'un mois. Et le pédiatre m'avait dit au bout d'un mois vous arrêtez et vous voyez si vraiment vous voyez qu'elle a trop mal et que ben, ça continue à remonter, que ça sent un peu l'acidité et que ben, vous voyez que la douleur elle n'arrive pas à la gérer, vous reconsultez et on verra d'ici là. Mais là pour le moment je touche du bois. Elle a des remontées, des régurgitations et tout, mais apparemment ça ne la brûle plus comme avant. De toute façon, on le voit avec mon conjoint, elle est beaucoup plus calme. Bon, elle râle un petit peu, mais parce que madame, en fait, c'est. Il n'y a que elle. Il n'y a qu'elle. Donc il faut absolument s'occuper d'elle. Il ne faut pas lui tourner le dos. Elle a déjà un sacré caractère. Donc, ben on essaye de lui faire voir qu'on doit s'occuper d'elle, oui, certes, mais qu'il y a des limites et qu'au bout d'un moment, on a le droit d'avoir 5 minutes pour boire notre café, discuter avec papa. Alors, du coup, on la met dans la balance, elle à côté de nous, mais bon, madame râle. C'est une râleuse. Bon, faut dire, elle a de qui tenir. Tout le monde me l'a dit, mais bon. C'est comme ça. Donc on fait avec. Mais sinon, c'est vrai que niveau, elle a beaucoup moins de douleurs qu'avant. Donc
Même, je vois, avant, on ne pouvait pas la poser. Elle hurlait parce que dès qu'elle était allongée, en fait, ça remontait. Là, vous voyez, elle est sur le canapé, dans le coussin d'allaitement. Je la laisse tout le temps, en fait, dedans, ça. Parce que comme ça, elle est un petit peu relevée quand même. Pour éviter que, si jamais ça revient, qu'il y ait un problème ou quoi. Mais, donc là, on va faire le 8, qui est le 0,9. Mais sinon, ça va. Franchement, ça va. Donc, je voulais juste donner des petites nouvelles aux personnes qui m'avaient laissé des petits commentaires et des messages sur Facebook pour la petite. Donc voilà, après, ça passe tellement vite. Elle va avoir 3 mois déjà, donc. Ça passe à une vitesse. Quand je vois celle de Sabrina déjà, de la chaîne Sabrina, enfin vous la connaissez quoi. Quand je vois sa fille, je me dis oh là là, qu'est-ce qu'elle a grandi. C'est d'ailleurs on l'entend dans les vidéos, elle me fait trop rire parce que moi j'ai l'habitude, la mienne elle fait pareil. Là, elle est en train de bouger ses jambes. Donc, je sais ce que c'est, mais j'adore. Franchement. Alors, des fois, j'entends la petite derrière, et puis il y a Sabrina qui lui dit chut, mais bon, c'est un bébé, donc forcément, elle fait un petit peu de bruit. C'est pas. Je pense pas qu'il y ait des personnes qui s'en plaignent, quoi. C'est pas non plus. Donc on va essayer de faire le dé avant que Madame s'énerve trop. Pour l'instant, je la laisse. Le problème, c'est qu'avec les vlogs d'épée, c'est pas facile parce que. Ça prend vite 1 heure pour avoir un bon contenu quoi parce que là vous voyez on est à 16 minutes si c'est pour vous faire voir qu'on a fait que ça c'est pas trop la peine quoi donc je sais pas comment je vais si je mets une vidéo d'une heure, déjà 27 minutes, ça a pris toute la nuit, enfin toute la journée et toute la nuit. J'imagine même pas une vidéo d'une heure. Je pourrais jamais vous la poster. Ça va prendre 3 jours, ça va bugger. Comme le vlog, je sais plus combien là, que je n'ai jamais pu vous mettre parce qu'il était trop long et que. J'avais eu des problèmes déjà d'internet, ça avait coupé, j'avais plus d'internet pendant plus d'un mois. Enfin, j'ai. Là, on a internet, mais très bas débit. Hein. Parce que 27 minutes, une nuit plus une journée. Enfin, j'ai halluciné ce matin. J'ai dit, mais. Ils vont jamais l'avoir. Quand je me suis levée, je crois. Il était 5-6 heures. Non, il était moins que ça parce que je crois qu'il était 4h30, 5 heures. Je me suis levée. J'avais soif. Et du coup, j'ai regardé. Et il n'était pas encore publié. Donc, j'ai dit, mais le truc, il va mettre 10 ans. Je vais aller la voir parce que elle bouge tellement qu'elle est en train de bouger là. Je vous reprends plus tard. Bon, je vous reprends. Alors, je sais pas combien de temps ça va durer parce que
Elle papote. Elle bouge beaucoup là. J'ai eu peur parce que je voyais le coussin trop bouger. J'ai dit bon, je vais aller la chercher. Les accidents, ça arrive vite. Donc, même si là, elle était quand même en sécurité, mais j'ai toujours peur. Donc, je préfère aller la chercher, la mettre à côté de moi dans sa balancelle. Ça va très vite, ces petites choses. Même si ça ne marche pas, que ça. Que. C'est vrai que c'est. Il y a beaucoup d'accidents hein, comme ça, donc. Je fais toujours attention. Bon. Ben, il va vite avancer celui-là. J'ai tellement l'habitude de faire des grands. Enfin, des grands. En parlant de grands, j'ai regardé la chaîne Je peux pas, j'ai Diamond Painting. Oh, mais ils sont immenses. Ils sont immenses, ces DP. J'ai. Même Jess, je crois qu'elle a pas fait que des grands comme ça. Enfin, j'ai halluciné. Franchement, chapeau. Bon, quand je dis grand déjà, 50, je crois que c'est 50-40, là déjà, je trouve que c'est déjà bien. Après, c'est vrai que bon, trop petit. Là, vous allez voir, hein, on va. Celui-là, je l'ai pris beaucoup trop petit, mais bon, je venais de commencer le DP, je savais pas. Fallait prendre plus grand, donc bon, je le fais, c'est pas trop grave. On va faire le B. Le B, c'est moi qui avais ah. 550. J'ai cru que je commençais à perdre la vue. Des fois, ça m'arrive de. J'ai les yeux, je sais pas, ils sont. Bon, j'ai les lunettes, mais. Et des fois, avec la fatigue, c'est pas. Les lunettes ne suffisent plus. Suis pas en train de me tromper, au moins. Non, c'est ça. Oui, parce que ça aussi, des fois, ça m'arrive. Avec la fatigue, je me trompe de trucs, et après, je suis obligée de tout enlever. Puis là, vu que je vous parle en même temps, bah, fallait bien que je fasse une bêtise en direct. Enfin, en direct. Bon, j'enlèverai ça après, c'est pas trop grave. Vous avez assisté à une petite catastrophe. Ce truc. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, bébé? Tu t'énerves? Ça y est, je m'occupe pas de toi, alors ça va pas? Oui, tu commences à t'énerver là. Oui. Tu sais que là, il y a des témoins comme quoi tu es râleuse. Un bébé. Bon, alors. On va faire le 7, qui n'a pas beaucoup. 3834.
Et après, je vais arrêter parce que j'ai pas trop envie que vous l'entendiez non plus râler pendant 10 minutes. On va éviter. On va juste faire pour éviter de 823 là. Oui bébé. Attends. 2 minutes. Et on va faire le C. Si elle m'en laisse le temps. Oui. Tu t'énerves? Oui. Oui, je vais arrêter. Oh là là, ça y est. Oh là là, ça y est. Bon. C'est quelle référence? 208. On m'a fait perdre la tête. Le 8. Je vais juste faire le trou là qu'il y a. Le 8, c'est le 9. Voilà, donc je vous laisse là parce que sinon c'est pas la peine. Je vous dis à plus tard. Bonjour à tous. Alors je vous reprends aujourd'hui. On est mardi. On est le 12 mai. En fait, je me suis aperçue que j'avais oublié de clôturer le vlog jeudi. Donc on avait fait le commencement. Alors, je vais le clôturer là parce que il y a quand même plus d'une demi-heure de vidéo, donc je voudrais vous la poster pour que vous l'ayez rapidement. Et puis je reviendrai pour un nouveau vlog pour continuer ce DP. Donc je vous rappelle que c'est ce modèle en 20 par 25 en carré. Donc voilà. Je vous dis à bientôt dans un nouveau vlog.